Voilà, voilà, amis de nous, nous présent là directement devant la pénitentiaire nationale et c'est prison civile de Port-au-Prince. Actuellement là, nous présent à côté que nous venons pour nous capables de constater les dégâts et là nous capables de regarder. Et il y a une machine policière qui là, qui a essayé de dégager les pièces importantes qui étaient en dehors de la pénitentiaire. Et là nous avons un char qui accompagne là pour capable sécuriser l'espace là. Nous même nous venons présents pour nous capables de voir comment la situation est même nous présenter devant l'Université nationale. Il y a un peu de dégâts qui fait dans la nuit et samedi 2 mars là. Donc le gaz a été envahi et prison civile là. Et là, il est rentré et passé pour la prison pour permettre plusieurs prisonniers évadés. Et là, nous avons plusieurs. Et nous connaissons qui t'a dirigé chaque cartel, chaque chef de nous, même déjà rentré dans la base là. Et pour journée et dimanche 3 mars là, nous-mêmes nous venons présents pour capable montrer comment la situation est lui-même liée devant la pénitentiaire nationale. Et là, les internautes sont capables de connaître tout. Il y a plusieurs morts à terre là, il y a plusieurs personnes qui mourent et à terre là, nous pas qu'à filmer le coup, mais selon ça, nous constatons qu'il y a plusieurs personnes qui tombent par balle dans la nuit et samedi 2 mars là. Et nous sommes capables de dire aux amis, nous devons faire une pression nationale à côté de qu'il y a plusieurs machines qui brûlent en plus de machines crasées en bas balle. Et là, nous sommes capables de dire que les gaz amis eux-mêmes n'ont pas venu pour la paix jour qui était samedi 2 mars là. Et là, actuellement, là, c'est dégagé, il y a dégagé quelques pièces importantes en pénitentiaire nationale. Là, nous pouvons gagner accès pour nous capables d'entrer, aller vérifier et reste des gars qui fait en dedans. Mais là, nous présentons dehors là pour nous capables de faire voir comment les mêmes situations sont liées au niveau du environ pénitentiaire nationale. Là. Et là, nous sommes capables de nous amener internautes et rentrer les gaz amis en dehors pénitentiaire. C'est pas mieux que vous cassez, c'est dans la barrière principale là même. Vous rentrez et là, nous sommes capables de regarder une machine qui incendie là. Et nous sommes capables de nous amener internautes et rentrer les gaz amis en dehors pénitentiaire. C'est pas mieux que vous cassez, c'est pas mieux que vous jambé, c'est dans la porte principale là même. Que yo passé yo rentré en dehors pénitentiaire nationale et pour capable et permettre que yo évader prison casser prison permettre que et l'autre nèg qui t'a dirigé et cartel même bien t'en rentré dans base actuellement et là nous même nous fini pour nous capable de constater des gars ensemble avec vous. Et là encore, c'est maintenant nous sommes capables de par rapport à les gens qui sont tombés en bas de qu'on a ces chiens qui ont déchiré là, qu'on a ces bagages qui sont vraiment terribles. Par rapport à les gens qui sont tombés en bas de nous sommes capables de regarder ces chiens là, les mêmes qui ont dévoré les gens là. Et nous sommes capables de dire maintenant pour une situation qui est vraiment compliquée et au niveau de Port-au-Prince là, côté que dans la nuit samedi 2 mars là, les gars ont envahi les prisons. Les gaz amants vont à la prison
et là gagner monde qui t'a essayé sauver là ou même capable dire que prisonnier qui t'a essayé échapper pour nous capable d'aller en pile grain sandale en pile rag à terre là et nous capable dire que nous dans une situation qui était vraiment compliquée et là nous capable garder ça nous connaît. Et là, ces chiens lui-même qui a mangé mon saoula qui tombé en babal et les amis on a affrontement qui était gagné ensemble avec la police côté que yo te vivé envahi et pénitentiaire national pour être capable libérer prisonniers et là nous connaît en dans pénitentiaire lui-même il était occupé en plus au cadre et là nous te gagné et plusieurs moun là qui était rentré dans pénitentiaire tant pour capable de dire et Joseph Félix Blasio lui-même qui était en dedans, Négarabla qui était en dedans tout, et là il y a plusieurs autres cadres qui étaient en dedans tout, nous capable de dire que c'était nous. Et là, dans la nuit qui était samedi 2 mars là, et Négarabla lui-même était envahi, et là c'est nous qui là vraiment compliqué dans ce moment là, à côté que les gens qui étaient tombés en bas eux-mêmes, et là c'est chien qui a mangé, c'est chien qui a mangé, c'est une situation qui vraiment compliqué au niveau de pénitentiaire national là. Là dans l'évacuation et pièces importantes que les agents policiers ont même appris là. Les agents ont appris là, nous avons regardé, nous avons un chat blindé à la même qui campé en place là à sécuriser l'espace là pour être capable de retirer les documents importants. Il a retiré des documents importants. Là, il n'y a pas de permettre nous-mêmes de rentrer en dedans pour nous vérifier. Mais nous, là, sur place, nous allons suivre comment ça y est. Voilà, les amis, nous sommes capables de garder. Tout ça, c'est impact et balle qui fait sous machine Mounio. Donc, on va regarder la machine qui a été stationnée là. Dans l'affrontement qui était gagné dans la nuit là. Et là, on va regarder. Et bagaille qui était vraiment compliqué dans la zone là. Côté que machine Mounio gagné et qui stationnée là. Donc, on va regarder dans l'affrontement. En pile coup de balle pété là-dedans là. Donc, on va regarder les amis internautes. Et bagaille qui était vraiment dégénéré. Et dans la zone rue de la Réunion, dans la zone rue de l'enterrement, côté que les gars eux-mêmes ont essayé d'envahir les prisons civiles là, qui sont pénitentiaires nationales. Et là, les amis étaient nous sommes capables de regarder. Et situation qui est vraiment compliquée. Là, nous sommes capables de nous. Nous présentons directement devant et local Le Nouvel Island. Nous connaissons, ça c'est devant local Le Nouvel Island, côté que machine qui était stationnée devant, ils ont gagné un pile impact balle sur eux. Et là, les amis étaient nous, c'est vraiment compliqué. Et voilà, les amis de Michel Radio, là, nous présentons directement. Et Bostad Silvio Cato, côté que nous venons présent là pour pouvoir vivre comment. Et là où il y a les mêmes litéraires dans la journée qui était samedi 2 mars là. Et là, nous pouvons regarder. Et les gars, amis, même qui t'a fait là, il là déjà. Et ramasser tout le tour machine là, mettre dans le là où il y a poussé des barricades pour empêcher et machine la police eux-mêmes de traverser. Là, il y a déjà boulé deux bus. Je campé là, dans le café, nous avons deux amis et une autre situation qui est toujours compliquée. Là, les amis et une autre, nous avons avancé ensemble avec vous pour nous capables de voir comment les zones lui-même lui lever. Et voilà, les amis internautes sont capables de garder. Et yo, mettez un pile barricade dans la rue là et back machine yo.
Et voilà, les amis internautes actuellement là, nous présentons directement devant le station de M. Colloa, directement au stade Silvio 14. Et côté que nous venons pour nous capables de présenter comment la situation est même le levé là pour journée dimanche qui c'est 3 mars 2024 là. Côté que et après un peu de temps sur le coup de balle pendant ce maintenant. Et là, nous capables de les amis internautes. Et situation qui est vraiment compliquée au stade Silvio 14, côté que. Et les gars même continuent à ferrailler et là nous avons gagné moun yo même qui a essayé et traverser là cap broter bagaille aller donc capable de vous aimer des notes et Port-au-Prince lui-même est vraiment compliqué dans semaine ça là qui a avancé là dans ça qui est passé et tout et là côté que moun a couru tout partout à gauche à droite qui va contre côté pour aller à cause et les gars amis même il y a fait une révolution pour capable et permettre que Ariel Henry lui-même lui quitte le pouvoir nous capable de vous amis internautes c'est vraiment compliqué. Voilà les amis internautes et là nous présent exactement bon commissariat et portail Léogane nous capable garder côté que les gars amis lui-même dans le cadre et travail qu'il a fait là actuellement côté que yo dit il a protesté contre pouvoir Ariel Henry ou même il était attaqué sous commissariat et rivé mettre du feu là dans lui et là nous même nous venir pour nous capable vivre comment ça est au niveau de portail Léogane amis internautes. Et là nous capable tout nous gagne Port-au-Prince qui vraiment tête en bas côté que même très tôt machin yo même yo prend yo mettre dans la rue nous capable tous amis internautes et c'est vraiment compliqué. Et voilà, les amis internautes, ça c'est sous commissariat de portail Léogane là, nous avons regardé. Et là, ils ont même quitté que les gars, amis, ils ont été attaqués et arrivé à mettre 10 fils là-dedans. Là, nous même nous venons présents et dans le travail que nous avons fait pour nous permettre de vivre comment évolution, tension là, où il y a. Et là, actuellement, nous présents là devant sous commissariat de portail Léogane là qui était incendié après attaque policière ou même yo te fait et sous et poste police là même qui était trouvé en zone portail Léogane. Voilà les amis internautes, nous directement là, nous sommes au portail Léogane. Là, nous sommes directement au portail Léogane. Côté que dans le cadre et si on a joué à faire dans la rue à vous, jeudi dimanche, c'est 3 mars 2024 là, nous-mêmes nous mettons pieds nous à terre pour nous capables de faire ouais, et réellement comment la situation lui-même nous présente dans la rue Port-au-Prince. Côté que un pile coup de balle t'a fait Mikalao juste ça qui se passait là jusqu'à hier samedi 2 mars là côté que les gars amis dans cadre et si je t'a fait et ont arrivé envahi et prison civile là qui c'est pénitencier national et là actuellement là on a descendu au commissariat portail Léogane pour nous capables de constater des gars avec yeux beau. Et nous là, ensemble avec vos amis internautes, nous allons permettre de vivre. Voilà, nous allons descendre directement là. Et bon commissariat, portail Léogane. Voilà. C'est Jean qui va regarder les amis internautes. Thank you.
Voilà, je m'étais là. Et voilà, amis, c'est nous là, nous présentons beau stade Silvio Cato là. Présentons beau stade Silvio Cato côté que. Et après un peu de tension, côté que. Coup de balle, t'as fait Mikalo, non, la report au prince là. Actuellement, nous sommes capables de regarder beau stade Silvio Cato lui-même qui. Et vide, complètement vide. Et là, nous sommes capables de regarder en pile machine trouvée au boulet là actuellement. Il y a incendié côté que. Et il y a servi comme barricade bloquée là où il y a pour capable. Empêcher et machine la police yo même yo descendre pénétrer dans l'espace à 21h. Donc c'est vraiment compliqué dans la rue Port-au-Prince. Et pour journée dimanche qui c'est 3 et mars 2024 là. Et là nous présent bon stade Silvio Cato n'a faut vivre comment la rue lui-même l'été. Voilà. Voilà, je vais sacher.